Bon, ben, de la houle rosse et du vent offshore, les labas carcans. Rebonjour à toutes et à tous. Entre midi et deux, un temps qui est dégagé, une belle lumière, une température extérieure à 9-10, une température de l'eau à 14-15. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 10-10. La marée est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 13h20 avec des coefficients de 80. Et sur cette marée qui est en train de descendre, ben, le vent est offshore avec un secteur est-nord-est. Il est faible à modéré. Un beau fort établi, des rafales à 2, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses. Là, la houle, elle est propre. Elle est parfaitement en ligne au large. Mais elle est à la hausse, parce qu'il y a eu une nouvelle poussée sur la Bouard cachant Gascogne à 3,50 m et 13 secondes. Et donc, nous, on a une houle longue ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période. Il y a toujours 1,50 m en déferlement régulier au bord. Sur les séries qui rentrent fréquemment, c'est 2 à 2,30 là sur le gros pic dans le courant. Là, il y a un courant monumental en face de Surf City, c'est n'importe à Wack. Il y a des fois 2,30. Et sur le large, et sur le large aussi, hein, 2 à 2,30 sur les séries qui rentrent assez fréquemment. Et sur les grossettes, il y a 2,50 à 2,80. C'est quand même plus gros que ce matin. Ça tartine, ça barre. C'est au large, ça barre. Au bord, ça barre. En plus, il y a du courant. Là, il n'y a personne à l'eau. La note, elle baisse, ça vaut 0 sur 5. C'est nul, c'est costaud. C'est à réserver pour des surfeurs confirmés. Il n'y a pas de vague surfeur. Peut-être au large pour quelqu'un qui veut charger entre les grosses séries à prendre dans la tête, mais je pense pas que ça va le faire. Donc c'est gros, c'est costaud, c'est beaucoup plus propre. Et puis l'évolution pour le reste de la journée, il reste de la taille hein, sur la bouée. La bouée côtière de Brest a eu un nouveau pic à 2,90 m et 13 secondes. Et là, la bouée Arcachon-Gascogne est à la baisse à 2,50 m et 12 secondes. J'ai remonté un peu les prévisions pour ce soir à 17h, plutôt 2 m à 2,50 m. Là, on voit une série à 2,50 de 80. Ce soir, plutôt 2 mètres 50, ou ouest-nord-ouest à ouest, 14 secondes de période, en est-nord-est, 1-2. Ça sera hyper propre ce soir. Peut-être que ça va jouer sur les meilleurs bancs avec un peu d'eau, mais ça ne sera pas évident à la canne. Hein. Ça sera réservé pour des surfeurs confirmés, avec une marée qui est haute assez tard, à 19h30, et chez lui à 18h. Il faut se mettre à l'eau à 16h, 16h30 pour surfer 1h, 1h30. Ça sera un peu juste, mais bon, à surveiller. Je pense que l'option mobilité est beaucoup plus favorable. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h et à 16h en vous souhaitant une bonne journée.